Il accomplit ces signes merveilleux. C'est pourquoi il mérite que nous confessions son nom. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et personne n'est mieux comparable. C'est lui qui est le véritable vainqueur. Vraiment, il faut être très reconnaissant ce que le Seigneur fait pour toi. Et tu saches que personne ne peut accomplir ce que Dieu fait. C'est pourquoi tant on a soutenu que ça veille à toi, l'honneur Seigneur, à toi, la gloire, la louange. C'est tout en lui disant, parce qu'il est le véritable vainqueur. Le bon gardien, c'est Jésus-Christ. Et hors de lui, il n'y a point un autre droit. Nous lisons notre texte, l'église de Perga. Apocalypse 2, à partir du verset 12 bien à 17. Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Tout en bien à comprendre Jésus-Christ. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Perga. On est là, moi, je lui ai écrit à Perga. Voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Yoka ou Elobi, mon Dieu Azali, n'a pas la songe à écarté le bâche. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tiens, retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi. Il y a des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la marque et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse. Nous pouvons nous rassurer. Ça ne vient pas pour la litanie que nous avons. Tous allez très reconnaissants dans l'enseignement où le Seigneur a donné ses missions par sa grâce. Nous sommes très reconnaissants au regard de l'enseignement que le Seigneur nous donne par sa grâce. Et toujours croire que les hommes ont fait la maille et naillot petit à petit. Et nous croyons que petit à petit le Seigneur ouvre ton intelligence. Il y avait une préoccupation d'un frère pour ce qu'il avait là. Il y avait une préoccupation qui m'avait soumis un frère. Sur le problème, il y a mer dans les eaux. Et au Italie, Maya Moutoupe, Maya Mie. La taille, ça qui est d'abord pour lui. Je lui avais d'abord montré ceci. Nabala qui colombe la sur, il y a des jours avant le jour au Roman. J'avais commencé à parler de jours avant les jours des six jours de création. Donc il y a des jours où Babekaka, temps ancien. Mikolo Babekaka, temps où il y a Kalakala.
Nous sommes basés sur Michée 5, verset 1. Nous nous étions basés sur Michée 5, le verset 1. On a besoin de la les jours de l'éternité. Là-bas, on parle de la Nicolo Yaseko. Donc, il y a des jours. Donc, il y a des jours. Avant, on a le Seigneur qui la lumière soit. Avant que tu ne vois le Seigneur appeler la lumière. Oui, on va venir le premier jour. On appelle le premier jour de la fin. Ce jour là. Il y avait des jours qui avaient précédé ces jours-là. Mais les jours où on a, ils ont la création physique. Mais ces jours-là ne sont pas dans la création physique. Ils ont un jour avant les temps où tous en a. Les amis, Nicolo, il y avait un temps où ils sont tous amis. Mais mon ami, il y a un temps ancien. Et ce sont ces jours d'avant qui sont appelés les temps anciens. Maintenant, on voit qu'il faut comprendre pour lui. Maintenant, j'avais dit que tu devrais comprendre ceci. Zambé a défini ça jour le midi. Comment est-ce que le Seigneur a défini le jour? Dans quoi l'obaki que la lumière soit. Lorsqu'il avait appelé la lumière, à mon avis la lumière est vraiment bonne. Le Seigneur avait trouvé que la lumière était bonne. Abola la lumière avec le ténèbre. Et il sépara la lumière avec le ténèbre. Abenga la lumière jour. Et abenga pole mon colère amour. Nous avons la lumière que c'est qui en dans le nom que Dieu a donné à la lumière. Donc et donc on y en sortit les années que ça la monsala pour en profondeur la macamou les années que bon bah tous ceux qui travaillent toutes choses qui travaillent pour révéler ce qui est caché et pourquoi bien maman jour mais aussi être appelé jour c'est comme les prophètes les années au cours la macamou bas on la macamou et bas tu vas éviter ils reçoivent les choses que les gens vont annoncer avant pour les annoncer au peuple. Et la personne est sur lui. C'est comme vous. Comment est-ce que tu connais cette chose? C'est qu'on a pas besoin de prophétie. Donc lorsqu'on voit la prophétie, c'est un jour. Et ça dit, mon colère mot, il vous dit pas. Amen. Il y a un mot remarqué dans Osée 6. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Osée 6. Le Seigneur pour la restauration d'Israël. Le Seigneur pour la restauration d'Israël. Il y a dans 3 jours. Il parle de 3 jours. La doctrine nous sous la terre à mon abbé. Il y a d'autres doctrines qui ont mal enseigné ces versets. Dans ça, il y a des études. Ils font des études. Parce que Osée. Parce que le prophète Osée. Avant contemporain aussi à Isaïe. Il avait vécu au même temps que le prophète Isaïe. Encore à Bikela qui est à peu près à 9 siècles avant Christ. Il a vécu à peu près 9 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, dans ça, il y a tranquille. 3 jours. Alors, comment est-ce qu'ils font les calculs de ces 3 jours? Dans la doctrine où ils aillent à la langue terre. Dans des doctrines qui ne sont pas celles de Dieu. Bah, considère quoi? Ils considèrent comment la taille a osé. Depuis le temps du prophète Osée. Dis-leur Jésus-Christ allait. Jusqu'à ce que Jésus-Christ a sali Moussa. Il a travaillé. Il a profité à l'âge à 33 ans. Jusqu'à sa mort à 33 ans. Bah, son nom est dit un jour. Il prend tous ses temps comme un jour. Comment la osé. Depuis le prophète Osée. Dis mort. Jusqu'à la mort du Christ Jésus. Après ma taille, ça va venir à osé 6. Après, il montre qu'il a osé 6. Je dis un jour est long. Oui, si un jour est retranché. Parce qu'il va considérer un jour comme 1000 ans. Parce qu'il considère un jour comme 1000 ans. Un jour comme 1000 ans, c'est l'écriture. Un jour comme les années commis. Dans le livre Psaume 90. Dans le Psaume 90. Les écritures. C'est l'écriture de Dieu. Les la prière, il y a Moïse. C'est dans la prière du prophète Moïse. Il y a c'est lui qui le dit. Parce que psaume 90, psaume 91, Moïse. Parce que psaume 90 et 91, même 92. Même 92. C'est Moïse. C'est pour le prophète Moïse. Tout en guillemot au nom de Jésus-Christ. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 4, dans le psaume 90, verset 4. Dans le même dans le verset 1er. Prière de Moïse. Le sang de Moïse. Homme de Dieu. Montonnant Zambé. Psaume 90. Verset 1er, tu n'as pas dit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fissent nées. Et que tu puisses créer la terre et le monde. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Aux hommes dans la poussière. Ce qui est d'abord
délivrance va t'attendre. Si le Seigneur dit ainsi, il n'y a pas de délivrance pour toi. Car mille ans sont à tes yeux. Oui, tes mibou contre les habits n'a mis son nom. Voilà, verset 4e et psaume 90. Comme les jours d'hier. Quand il n'est plus. Comme il veille de la nuit. Donc, pas on a cette écriture. On prend cette écriture bien. Un jour est comme mille ans. Alors, quand Bazo parle à Osée 6, verset 1 et 3, lorsqu'ils observent Osée 6, verset 1 et 3, l'écriture va descendre à 3 jours. Dans cette écriture, on nous parle de 3 jours. Alors, pour avoir pensé 3 jours, il nous parle 3000 ans. Alors, pour eux, 3 jours, c'est 3000 ans. Alors, quand Bazo calcule, alors, lorsqu'ils font le calcul, où tant il y a Osée, depuis le temps du prophète Osée, et dans la crise, le temps que ça y est, jusqu'au temps où le Christ est venu sur la terre, il a accompli l'œuvre. Dans un moment, un jour et demi. Et il voit un jour passer. Maintenant, la carte à prophétie à Osée 6. Maintenant, dans la prophétie d'Osée chapitre 6. Il dit qu'il y a point avant deux jours. Il leur reste seulement deux jours. Au moins, il m'a su qu'il y a une écriture. Vous voyez, ils n'ont pris que les écritures. Mais ma veillée était. Le Seigneur a zolo de la nini. Mais ils n'ont pas veillé de quoi le Seigneur était en train de parler. Dans l'écriture de Dieu. Dans l'écriture de Dieu, bien. Et ça n'a jour comme jour. Et ça dit dans mon colo à mon colo. Que nous vivons. Et ça n'a jour comme une année. Et ça dit dans mon colo à mon mouvement. Dans nombre 14, verset 34. C'est le nombre 14, verset 34. Et même Ézéchiel 4, verset 5. Et même Ézéchiel 4, verset 5. On parle. Là-bas, on considère un jour comme une année. Là-bas, on considère un jour comme une année. Tout ça, un jour comme mille ans. On a aussi un jour comme mille ans. C'est l'écriture que nous venons de lire. Dans psaume 90, verset 4. Dans psaume 90, verset 4. Mais nous avons aussi un jour, mais nous avons aussi le jour comme prophète. Le corps à l'homme. Parce que le jour, oui, t'es mon colo, c'est toute une lumière. Les amis, pour les mobimas. Donc la prophétie, donc, il c'est un jour. Les amis, mon colo, mon bimamoui. Dans l'écriture, nous avons aussi un jour comme Moussa Zabasai. Dans l'écriture, le jour, c'est aussi l'œuvre que le Seigneur a fait. La Robin a écrit jour. On l'appelle aussi un jour dans les Saintes Écritures. Moussa Zabasai. L'œuvre qu'il a fait. Même temps, on va pour combattre. Même lorsqu'il vient combattre. Les a travaillé. Les amis Moussa. Les a appelé aussi le jour. Il s'est appelé aussi le jour. Alors, un jour de l'éternel. Mon colo yakanda yahweh. Le jour yakasse. Mon colo yamboulou yahweh. Et ça, un jour comme Jésus-Christ, c'est le jour. Il y a le jour comme Jésus-Christ, c'est tout un jour. Donc, le prophète, notre Moussa, oui, où il a dévoilé, comme les écrits, pour bon moment, aïen, aïen, mon peuple, maman. Qui dévoile les choses cachées en fait que le peuple ait connaissance. C'est un jour. Azalipé, mon colo, yamoui. Maintenant, l'écriture, il y a Osée 6. Maintenant, l'écriture d'Osée, chapitre 6. Oui, ils ont ouvert ces trois jours-là. Qui parle sur ces trois jours ici. Ils ont banda na basosé à Israël à zonga nanzela. Et cette écriture demande à Israël de se repentir. Yokanin babandi. Écoute comment est-ce qu'on a compris. Verset premier. Le verset premier. Il y a Osée 6. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'éternel. Pour y appeler tous ceux qui l'ont fait. Car il a déchiré. Il est à passer. Mais il nous guérira. Mais à Mobi qui s'accapisse. Il a déchiré. À passer à qui? Et ça n'a Osée 5. C'est dans Osée chapitre 5. Verset 14 à 15. Le verset 14 à 15. Quand ils ont déchiré. Lorsque le Seigneur dit, j'ai commandé les autres Seigneurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans verset 14, au verset 14, alléluia. Il dit ceci. Je serai un lion pour effrayer. Dans vos aussi pour effrayer. Voilà, Osée 5. Comme un lionceau pour la maison de Juda. Le bon aussi est nommé pour la maison. Moi, je déchirerai. Puis je m'en irai. Qu'on déchirer, donc déchirer ici,
Cela montre comment la parole va quitter dans Israël. Donc s'il déchire, il s'en va. Il y a au moins un temps à déchirer, donc à savoir que Israël a livré dans le jugement pour à rejeter le Messie. C'est pourquoi lorsque Israël fut livré en jugement parce qu'il a rejeté le Seigneur, a dit qu'il va voir, donc j'ai manqué, allez par là. Le Seigneur les a abandonnés, il est venu vers nous. C'est ce qu'il dit les autres. J'en porterai une dans ma proie. J'ai manié. Portion Oyo, Jacques a mon acquis à la conférence de Jérusalem. Et cette portion, Jacques l'avait vue et elle a parlé dans la conférence de Jérusalem. À défendre, exposé à Pierre. Il a fait la défense de l'exposé de Pierre. Parce que Pierre a tel ce qui est le Seigneur a choisi ce qui est pour annoncer la parole pour un païen. Et parce que Pierre avait montré que Dieu l'avait choisi pour annoncer premièrement la parole au païen. Et Jacques a dit qu'on va partir au verset 13 à 15. Et Jacques a pris la parole à partir du verset 13 des Actes 15. Azo on dit misamakaboyo. Pierre a outil pour le baguer. Il est en train de attester les choses que Pierre venait. Royaume de Dieu. Le Seigneur avait prévu que le païen écoute le royaume. Mais Jacques Alomi cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Dans le verset 16, dans la 13, il y a 15. Lorsqu'ils disent ceci de parler, Jacques prit la parole. Et dit, homme frère, écoutez-moi. Dans Acte 15, dans le verset 13 et dans le verset 17. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Simon a décidé qu'il avait à voir la sur le pour choisir d'immiler d'être un peuple qui porta son nom. Pour la pour la et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit. Après cela, dans après choix vers les nations, après qu'on pourra la bicole, je reviendrai. Je reviendrai à Moïo na Osé 5. Je reviendrai, c'est ce qu'on nous dit dans Osé 5. Je m'en irai. Cela venir à Tiki, la maison d'Israël, à Yépanabiso. Il a abandonné la maison d'Israël pour venir. Mais là, le col à Yépanabiso. Et encore, il était venu. Pierre nous a confirmé qu'il avait parti de la terre. Et Pierre confirme que le Seigneur l'avait envoyé le prêcher. J'ai Jacques Amoni, il a dit Pierre nous a envoyé dans Osé 5. Et Jacques a vu ce qu'il disait, Pierre était dans Osé 5. Après que le Seigneur a jeté les regards vers les nations. Il a semé des amis pour qu'à suite à l'écriture, après cela, après tant de ma nation, après le temps de la grâce, je reviendrai. A vu continuité en verset 15 au verset. Il a continué l'écriture du verset 15 au je reviendrai dans ma demeure. Donc, on y a la demeure, donc revenir dans sa demeure, il faut demeurer avec Israël et Zara. Guéri. Il faut que cette demeure qu'Israël soit guéri. Mais pour Ezara guéri, mais pour qu'elle soit guérie, Ezara Kananzera il y a trois jours. Et c'est seulement par le moyen le canal de trois jours. Mais Osée 6 à Zoroba. Alors Osée 6 dit ceci. Venez retournons à l'éternel. Où il y a tout ce qu'il a Yahweh. Car il a déchiré. Oui, tu es à Pasoli. Mais il nous guérira. Il a frappé. Abetaki, mais il bandera nos plaies. Aujourd'hui, Israël a sous la frappe de Dieu. Parce qu'a rejeté le Messie. Parce qu'Israël avait rejeté le Christ. Vous rejetez la parole. Douleur, il faut y avoir un don. Il faut que les douleurs te suivent après. Il nous rendra la vie dans deux jours. Et à vos hommes qui sera mis au coco, il a mis colonie. Deux jours, Oyo. C'est deux jours ici, bien. Ezra, Eli et Moïse, les deux témoins. Ce sont les deux témoins, Eli et Moïse. Ezra, ma jour, il y a mille ans. Ce ne sont pas des jours à prendre comme mille ans. Non. Parce que ma jour, c'était ma terre qui est en gros. Et Oyo.
Parce que c'est ça le trois jours. Je vois qui ont péché que ces trois jours sont 3000 ans. Alors la doctrine ressource adventiste était dans une même langage. Alors les adventistes aussi ont adopté le même langage. J'ai un message à Branham dans une même langage. Et les frères du message de Branham aussi ont adopté ça. Il y a trois jours comme 3000 ans. Ces trois jours comme 3000 ans. Quand le Seigneur revient vers Israël. C'est quoi je t'en vous avez à ce son qui est Israël. Aujourd'hui, ils avaient attiqué Israël. Aujourd'hui, le Seigneur a abandonné Israël. Il est venu vers nous. Israël a un programme qui est Israël a salé à 3 jours. Maintenant, retournant chez Israël, il a besoin qu'il obtienne le salut pour 3 jours. Aujourd'hui, 2 jours les voyants ensemble. Mais 2 jours viennent ensemble. Il a coupé sa vie dans 2 jours. Alors il va rendre la vie dans ces 2 jours. Les témoins. Et ces 2 jours-là sont 2 témoins. Il faut remarquer Apocalypse 11 et les Rababango à Chandeli. C'est pourquoi Apocalypse 11 les appelle de Chandeli. Chandeli, ma carte, il y a un jour. Et le Chandeli a le jour en lui. C'est la lumière. Les amis Paul. Parce que la lumière est appelée jour. Oui, t'es Paul et les mêmes amis, mon collègue. Voilà, par contre, il parlait Bazan à 2 Chandeli. Et comme et tous ceux sont 2 Chandeli. Bazan à jour, la carte. Donc, ils ont le jour en c'est ça les 2 jours qui doivent guérir Israël, celui que le Seigneur a voulu revenir vers Israël. La monnaie Nicolas, ni Balet, ça va pour dire qu'ils aient ça, les autres personnes qui passent. Ce sont les 2 témoins. Ils arrivent à 2 témoins. Mais par contre, le 3e jour, il nous relèvera. Mais au collègue, ça doit monter les missiles. Et nous vivrons devant lui. Les missiles de mon pic à la dimension. Et puis, le 3e jour, c'est que celui des jours est signé. L'abomination dont a parlé le prophète Daniel et vous a établi en lieu saint. Mais pas mon nom, vous savez, Daniel, à l'obat qui est contient dans les cités saints. Parce que par ça, mon tout lieu saint, à mon agaga, très saint, n'a saint. Et pour lui, le lieu saint, c'est seulement le très saint et le lieu saint. Parfait, mais ça va lieu saint. Le parfait aussi est appelé le lieu saint. Ça, difficulté, et c'est ça la difficulté. Dans une Lévitique 6. Je prends Lévitique chapitre 6. Dans verset 9 bien. Au verset 9. Après entendre verset 15 dans 16. Après je lirai le verset 15 et 16. Lévitique chapitre 9 bien. Lévitique 6 plutôt. Lévitique chapitre 6. À partir du verset 9 bien. À partir du verset 9. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera. Et l'offrande, ils les mangeront sans levain dans un lieu saint, dans les parvis, dans la tente d'assignation. Les parvis, c'est un lieu saint. Le pape, il y a Emma Mouyanga, mais il y a ici que ça. Vous voyez aussi dans le verset 15e. Le verset 15. À nous bien au même moment. C'est ce que je répète encore. Donc, par vie, le peuple est un peuple. Et car il sera tout un peuple. Il représente tout un peuple. Il y a beaucoup de monde en Apocalypse 11. C'est pourquoi en Apocalypse 11, l'Écriture le dit dans le verset 2e. L'Écriture dit au verset 2. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. La dernière comme on est sous Christ. Au moment à qui est, on n'a pas vu. Vous allez voir que l'agneau était immolé dans le parvis. On n'immolait pas l'agneau dans le lieu saint de la tente. Mais on immolait l'agneau. Mais parvis, c'est un lieu saint. Mais le parvis aussi, c'est le lieu saint. Il y a beaucoup de monde, Jean-Baptiste a montré que l'agneau n'a pas vu. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait vu un agneau dans le parc. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la bébé, moi, la patte, ça va le voir. Donc, place à l'agneau à Zana qui croit pour faire. Là où l'agneau était mort. Ma bébé, on a mis sur ma toile, on a mis sur ma zana. Parce que le pays, là, cette terre, c'était le parvis. Pas beau, manga, agneau n'a pas vu. Parce qu'on immole l'agneau dans le parvis. Il y a beau Tawa qui fit déjà la parvis. C'est pourquoi lorsqu'il est mort dans le parvis, Tawa s'est pris. Lorsqu'il est mort, il a donné le gros talanier sans rien de très il
allait entrer dans le lieu saint et Christ a traversé le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré dans les sanctuaires. À côté de la tête, il a été parti comme Israël. Qui est Israël? La table a son étoile. Lorsqu'il est en ligne, à son côté, maintenant, à Oyoyo. Et ça compte très sanctuaire. Il entre maintenant dans le sanctuaire véritable. Et Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Jésus n'était pas venu mourir en camp. Il était mort en Israël. L'agneau en limon dans le parc. Israël, c'est le parc de Dieu. Israël était le peuple animal dans le peuple de Le verset 2 d'Apocalypse 11. Le parvis extérieur du temple. Le parvis laisse-les en dehors. Et ne les mesure pas. Car il a été donné aux nations. On veut expliquer. Et elles fouleront au pied la ville sainte. Pendant 42 mois. Jérusalem. Le parvis extérieur, c'est la ville sainte de Jérusalem. Israël. Israël, c'est ça qui dit. Il y a un peu de commis. Le peuple d'Israël. Dans le mot d'Israël. Le lieu saint appelé parvis. Les amis, si qu'elles sont de l'Église, le pape a dit. Maintenant, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, verset 15. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 15. Quand vous verrez la condamnation. Dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Et tiens, les cités sont. Ce lieu saint-là, c'est le parvis. Et si les sont tournés au peuple animal dans le temple. Que Dieu bénisse. C'est le peuple, c'est le peuple d'Israël. Et ils ont mis une beauté à l'Israël. À mon avis, on a parvis de Dieu. Ce sont eux qui sont le parvis de Dieu. Donc, c'est que. C'est-à-dire, Daniel. A levé la main. Et qui a reçu un message sur le peuple juif. Il avait reçu le message sur le peuple juif. A relevé l'abomination dans Daniel 9, verset 27. Il parle de cette abomination dans Daniel 9, verset 7. Dans Daniel 12 aussi. Et même dans Daniel 12. Oui, et dans Daniel 11 et les cas. Ce qui est dans Daniel 11 était passé. Mais dans Daniel 11 et les cas, il y a un temps où il y a un royaume grec. Et cela était passé du temps de l'Empire grec. Mais va rapporter aussi un temps de la fin. On l'a rapporté aussi dans la suite. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oui, ça a donné le coco maca. Il y a Daniel 8 aussi. Et aussi de Daniel 8. Il est cas. Était passé. L'adversaire ou on a la petite corne. Il sait qu'il y a l'air. Qu'est-ce que c'était Antiquis et Pifa. Mais ça a dit qu'on nous Antiquis et Pifa. Il y a qui pour renverser les liens à sanctuaire et à Zambé. Il y a qui pour boucler à temple et à Zambé dans ta monnaie. Nous en avons un. Roi de Mika qui n'a l'air royaume grec. Et cela s'était passé du temps de l'Empire. Mais il y a un peu pour annoncer des choses à venir. Mais c'était des signes pour annoncer des choses dans la suite des temps. Oui, il y a un Daniel 9, verset 27. Ce qui est dans Daniel 9, verset. La dernière semaine à Daniel. Dans la dernière semaine de Daniel. Mais ce n'est pas encore accompli. C'est ce que Jésus a donné dans Matthieu 24. Et c'est ce que Jésus avait parlé dans Matthieu 24. L'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Mais pas mon nom, mon sacré Daniel. Exactement, tant ce n'est pas que tu lis. L'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Mais pas mon nom, mon sacré Daniel. On m'en dit, barabe. Vous voyez les arabes. Ma tombe, temple de mort. Ils ont bâti les temples de mort. Mais ça va pas fondre mal, ça. Là où il y avait les fondements du temple de Dieu. Jésus t'a donné la référence du prophète Daniel, non d'abord de l'histoire. Ah, Jésus, les autres. Mais pas mon nom, nous savons y aller là. Et ça, l'église de Pergame. C'est l'église de Pergame. Et ça, les mères à Satan. Les habitants de Satan. Vous autres, les bêtises. Comment est-ce que vous placez chrétien? Quand quelque chose est ça, vous ouvre, vous ouvre, vous ouvre. Quand quelque chose est une sottise, tu vas l'appeler sottise. On l'avait dit ainsi dans le temps. Parce qu'il y a mal à la résurrection, il est insensé. Donc, bateau, balema, bateau, ma poma. Mais là, maman, vous. Paul les a appelés ainsi. Parce que manière, les paroles à bien. Parce que l'intelligence, c'est ça, la bonne parole. Ceux qui parlent à bien, ça, c'est ça. S'il n'y a pas la bonne parole, vous ouvre. C'est la bêtise qui est en place. C'est ça qui est Paul. Mais Paul a dit. Il a prêché que
il a dit que ceux qui prêchent qu'il n'y aura pas de résurrection. Et c'est censé. Basali, Baba, Boma, tout, Balema. A tout le monde, c'est que tu sens. On dit, oh, yo, yo. Et ils reprennent la vie. Et ils ont la carte à bon moment. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'après le deux jours, Israël a encore dans la fausse adoration. Israël va entrer encore dans la fausse adoration. Il y a un moment où il y a un territoire qui est en que salut à Israël, il y a 144 000. Non, mais il ne faut pas de ceux qui croient que le salut d'Israël, c'est seulement les 144 000. Dieu t'envoie à restaurer Israël. Lorsque le Seigneur restaure Israël, il y a toujours des bois. À cette attaque à ma belle vie. Bois de Joseph. Vous avez un Ephraïm qui est appelé Ephraïm et les tribus qui lui sont associées. Mais ma mère est salariée. La bois de Jida. Le Libaïa, oui, ensemble avec Benjamin. Ensemble avec Benjamin. Après avoir associé à nos deux. Après le Seigneur va les associer ensemble. D'abord, vous remarquez quand vous avez 144 000. C'est pourquoi lorsqu'il parle de 144 000. Tribu, elle est aussi dans le gouvernement de la police. La première tribu dont on parle dans l'Apocalypse, Jida. C'était la tribu de Jida. Bois de Jida. Là, c'est le bois de Jida. Mais la bois d'Ephraïm, la sylvaille d'Ephraïm, et ça va en basant en dehors, il y a 144 000. Ce sont ceux qui sont en dehors de 144 000. Mais par beaucoup dans la fausse adoration. Et qui vont entrer dans la fausse adoration. Après la mort, il y a des soins. Si ma couche va maintenir les périmales, Israël va entrer dans la fausse adoration. Israël va entrer dans la fausse adoration. Mais le Seigneur a voyé pour avoir visité Israël, a voyé comme une mère. Mais le Seigneur viendra comme une mère pour visiter Israël. C'est ça, Ésaïe 66, verset 13. C'est Ésaïe 66, verset 13. Ça y est, le Seigneur a demandé déjà la fausse adoration. Déjà emporté dans l'idolâtrie. Mais à vous, faire revenir rien à bon chemin. Mais le Seigneur va faire revenir le peuple. À cause, il y a alliance, il y a Abraham, l'amour de ses pères. Nicolo, il y a bon sang, ça va être l'amour pour la matata. Il y a bonné l'abomination dont l'Éternel a parlé. Il y a bonné le babouné. Daniel. Pas la bonne sang, Daniel. L'église est coquille aux femmes dans l'abomination telle. L'église ne peut pas demeurer dans l'abomination. L'église a la foi. L'église est allée dans le divan. Dans le même frère Jean prêche. Demande toi-même la prédication des gens. Frère Jean Lobie, le frère Jean dit, à partir 1 Jean 2, dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 19, à partir du verset 19, 1 Jean 2, verset 19, 1 Jean chapitre 2, verset 19. Donc c'est que Nicambo Nazari Boloba d'abord. La chose que j'étais en train de dire, il faut voyer pas que tu dois d'abord savoir, il y a des jours avant. Ils arrivent à Nicolo et à dans 6 jours avant, un jour à 6 jours, le Seigneur a créé les eaux. Na Nicolo et à Sarah Maïa. Maïwa et dans les eaux, dans un jour avant un jour à 6 jours. Et ces eaux-là provenaient des jours avant les 6 jours de création. Dans les ténèbres aussi. Et aussi les ténèbres. Même terre. Attends ma belle. Les arrêts qui informent la sœur à ma mère. Les qui l'ont légué la sœur à ma mère. Et autant les autant la création. Et ces choses-là étaient entrées dans la création visible. Mais les arrêts déjà bien non. Mais elles existaient bien avant la création. Voilà, normal. Ah, c'est ça la parole du Seigneur. Il y a un modèle qui nous a été. Donc un père aux Essis, c'était qu'il va un jour comme mille ans. Il ne va pas prêcher aux Essis un jour comme mille ans. Ma belle comme juriste. Là tu as mal prêché, tu es un témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, il vient avoir un enlèvement. Ils ne savent même pas ce qui concerne l'enlèvement. Qu'est-ce que nous allons faire là? Les enfants font la 144 000. C'est seulement pour les 144 000. 144 000, qui sont ces 144 000? Les anciens là-bas. Ce sont les anciens des témoins du jour. Congolais, dans vos bazartes. Il n'y aura pas les Congolais là-bas? Non, 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 non. Il n'est pas encore trouvé, ces Congolais. Mais en Afrique, déjà, il y a deux. Mais en Afrique, ils sont deux anciens. Parmi les 144 000. Parmi les 144 000. Il est de quelle tribu? Des Africains. Des Africains. Ces deux Africains. Est-ce que ma commis tribu de Jida? Une tribu de Jida. Ma commis tribu de Benjamin. On est dit de Benjamin. Mais là, il y a mis nos deux Rwanda. Mais là, nos deux Africains. Ils sont de quelle tribu de Jida? Bien, Issachar. Ils dansent Issachar. Vous avez la confusion. Vous voyez la confusion? Donc, c'est leur chef religieux, hein? Mon côté libre, par exemple. Maza, quand on a la science, on a fait un maçon. Maza, quand on a solo, quand on a une colonne, par exemple. Quand on a utilisé la vaccine à pyramide. Et les gens qui utilisent les signes de pyramide. Ils ont vraiment, même Joseph Smith.
et même Joseph Smith, pour l'église des saints des derniers jours, les chefs religieux des assemblées des saints des derniers jours, a théâtre Jésus et Pierre, il avait aussi prêché la divinité, a théâtre du Cambouya, fouillé avec ma connaissance divine et mal, il a prêché aussi la séance des amis au sang d'un autre. C'était la complément. Nathan Gaye. Je l'ai lu. Livre de la maman Mormon. Dans le livre de Mormon. Je l'ai déjà lu. Moi, j'aime beaucoup lire. La Liga Otaga Mi. Oh, parce qu'on ne condamne pas quelqu'un sans avoir écouté. Mais il va s'en montrer ce qui était. Il faut y être ma contradicteur. Tu dois maîtriser le faux confession. Monter le Seigneur et le Seigneur. Sinon, on va te ravir le fidèle dans l'église. Parce que Zambé, Moïse, a d'abord baguette. Établis celui qui va me remplacer. Il est dit dans l'ombre de la capable qui soit capable de sortir de la maison de la et de retourner avec le peuple. Donc, exactement que vous avez quelque part, ce n'est pas que tu es quelque part comme nous et que tu fais l'œuvre de Dieu. Si tes fidèles sont pas emportés, ils s'emportent facilement. Non. Il faut être capable de réfuter les contradicteurs. Le Seigneur m'a dit, il passe à la maboukia pour t'élever la patronne à ma commune. Ah, c'est ça, réfuter. Il y a beaucoup de côté de la zéte. Pourquoi il y a des gens qui contradictent à son maillot quand il calme? C'est quoi? Un contradicteur par la faiblesse. Les amis qui vont t'aouer là. Ils sont signes à la faiblesse. Les amis ne vont pas t'aouer. Les amis ne vont pas t'aouer. C'est comme on débattait avec les pasteurs. On a mis la maison d'église parce que moi je les appelle à l'église. Qui vient défendre la doctrine. Ils défendent la doctrine. Attends, ici, ceux qui est Ézéchiel 17. Ils nous ont montré que Ézéchiel 17. Libaya Okaoka. C'est William Marion Brana. C'est William Marion Brana. Bon ami, l'écriture le dit. Parce que l'écriture dit. Jésus-Christ est un bon fait. Jésus-Christ est un bon fait. Jésus-Christ est un bon fait. Ce qui va être un bon fait, on va faire ainsi. Boni, boni, bino, baguasse. À combien plus fort, 13 ans, vous le boissez. Maintenant, on a dit parole. Maintenant, lorsque j'avais pris la parole, Nathan ici, j'ai montré ici. Jésus a dans un problème à ma disciple le bois sec. Lorsque Jésus a appelé les disciples le bois sec, besoin qu'il a le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit n'était que chez Jésus. La voix de la vie. C'est pourquoi il était le bois sec. Parce que le Saint-Esprit pouvait témoigner mon sang. Jour et à fait à tabernacle, mon colonel lui a battu. En Jean 7. Dans Jean chapitre 7. Dernier jour et à grand fête. Mon corps la soupe et nous l'on a marié. Il y a un apôtre à Koméla, à Koméla. Il a dit celui qui avait celui qui croira, où est continué la main. Le fleuve d'eau vive pour les ronds dans son sein. Il va la main à Koméla, pour ta part, il va la main. L'écriture continuait. L'écriture au verset 38. Au verset 38. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir les apôtres. Alors, ça dit que l'on a mouru au centre de Seigneur qui va s'en battre. Donc, le Saint-Esprit est vraiment maille. Donc, le Saint-Esprit est vraiment de l'eau, la sève là. Ah, un autre, il sait déjà. Je t'adresse. Jésus, dans la vie, n'a été là pour promettre l'église de la pluie. Jésus, dans sa vie, n'a jamais promis la pluie à l'église. Mais en promettant l'église, le feu. Mais il avait promis le feu à l'église. Ça va, hein? Qu'est-ce que c'est la vie? Vous voyez le ciel que vous voyez? Quand on se sépare de la terre, alors nous pouvons parler de la pluie qui descend. Ce qui ciel les uns vivent ensemble. Mais si le ciel est ensemble avec vous, l'eau va commencer à couler, c'est la pluie descend. Et c'est ce que tu vas comprendre. Promesse, il y a fleuve coulant. L'église a la promesse pour la terre. Je ne vous laisserai jamais. La petite a camionné dans le ciel. Ouais, tu vois là, ça ciel. Celui qui a la terre ciel, dans le ciel, maïs. Il y a la pluie. Même le ciel, la zone, la maison. On s'appuie sur la terre. On va pas appeler la première fleuve. Ça devient le fleuve qui coule par nous. Jamais promis la pluie. Petits enfants, Banamike, à Banin à verset 18-19. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, le corps à Bino, il y a des témoins de l'église, il
Donc, c'est lui qui était avant Christ. Il y a maintenant plusieurs antéchrist. Les amis, de la Christ, on peut passer à Jean 2, verset 18. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils ont sorti du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Nous avons comme question dans la bâtie ressource. J'écoute des questions dans d'autres vers. Si Jésus-Christ a promis la pluie. Si Jésus-Christ n'avait pas promis la pluie. Je te montre d'abord ceci avant de continuer. Vous voyez, lorsqu'il avait placé les jardins, le fleuve sortait des terres. Et arrosé les jardins. Maintenant, si vous voulez trouver le nom d'Eden, là où sortait le fleuve. Nous avons Apocalypse 22. Tu le vois dans Apocalypse chapitre 22. Verset 1. Le verset 1. Parce que le fleuve sortait dedans. Et il me montra un fleuve d'eau vive. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Donc, comme l'Éden est amoureux. Le nom de l'Éden, on l'a donné. Trône. Vous en avez un. Pour y avoir des autres, fleuve. Parce que c'est le trône qui fait sortir. Kuna Balomeli Eden, la parole de la terre d'Eden qui fait sortir le fleuve. Même dans l'Apocalypse 22, l'Apocalypse 22, Balomeli trône. On a parlé du trône. Donc Eden, l'Eden, et sa trône. Et sa ligne d'Eden. Pour les eaux faire jaillir mal. Parce que l'Eden fait jaillir de l'eau. Parce que son côté dit Genèse 2. Parce qu'en disant Genèse chapitre 2. Verset 4. Ou verset 4. Le Seigneur a zone bamboué. Le Seigneur dit ceci. Vous devez maîtriser ces choses. Parce que la connaissance, c'est la vie. Vous voyez que vous voyez que vous êtes comme. Yoga. Écoute. Verset 4. Le verset 4. Voici les origines des cieux. Et de la terre, quand il fut créé, qu'est-ce qu'on a dit? Voici. Tala mon bébé. C'est la bénédiction pour bannir dans le verset 5. C'est-à-dire à partir du verset 5. 6. 7. 8. Au moment où on a dit les cieux. Vous allez voir les origines des cieux. Voici. Tala et moi. Bannir mon c'est comme ça qu'on est. Maintenant, si tu commences à dire, au moment où la scie était au ministre, tu ne verras pas les cieux après cette étude. Mais là, il dit que voici. Vital est un beau pénètre. Maintenant, ce qu'on va longtemps. Maintenant, commençons, poursuivons la lecture. Emmanuel Isaïe, on commence à dire. Auquel a laissé des champs. La tante, c'était mon côté à auquel. N'était encore ce. Mais maintenant, voici ma voix. Vital est un cieux. Ma colo. Et bien, nous allons continuer. Oui, si tu continues là. Là, tu voici. Ah, on te présente quelque chose. Alors, présente-lui. Qu'est-ce que c'est? Ciel, ma colo. Mais continue, comment la scie était? Mais continue, tu ne verras pas les cieux, littéralement. C'est pourquoi nous avons mis une portion pour la hauteur d'Israël. C'est pourquoi j'ai pris une portion. Éden, nous avons mis sa fleur. L'Éden qui veut sortir le feu. Mais Éden, nous avons mis sa fleur. L'Éden qui veut sortir le feu. Pour arroser les jardins. Pour la couper sa main. Apocalypse 22. Apocalypse 22. C'est les trois. Les amis, vous aimez les autres. Oh, les amis, après la vie, le ciel est mon trône. Il était long, les amis, vous aimez la gare. Donc, aidez-moi. Dans cette aidée, c'est le ciel. C'était le ciel. Bon, déjà, mais il s'est dit, voici. Parce qu'on t'a présenté. On t'a présenté le côté. Ce côté, on t'a au moment. J'entends au moment. Il y a beaucoup de choses ici à l'intérieur. Mais ce côté, tu ne vois pas les cieux dans ta lecture. Genèse 2. Même sur les cieux. Tu ne vois pas les cieux. Maintenant, rentre chez Dieu. Les mises en amont, tu vois
choisis, Paul aujourd'hui.
Paul. Matthew, donc 2-1 déjà. Paul. Je vais jouer la mi-temps. Vous croyez à ça? On va trouver que des choses très légères. D'abord, manifestation à Saint-Esprit, nous allons attaquer. C'est pourquoi la manifestation de l'Esprit est très difficile. Il faut qu'on s'est révolté dans le milieu de l'union sur là. Tu vois que ça ne l'est pas. Les autres sont la terre. La vie chrétienne les a pas à la terre. La vie chrétienne n'est pas toutes ces choses. Alors, nous, pour tout le monde, combattre, il faut. Toutes sortes d'abstinences. Toutes sortes. Mais ils sont comme ça pour le royaume. Ils sont comme ça pour la bonne santé. Toutes sortes. Mais on taille et l'autre, oyo, et ils ont construit des. Qui ne t'édifie pas? Ticaro. Bani la, abandonne la. On va voir dans votre jour, ça va faciliter. Tu vas voir quelqu'un qui a vous ça exact. Il n'y a pas de courant. Il faut qu'il m'embarque, le poisson va carburant pour avoir la marche. Il doit courir pour acheter du carburant. Mais là, ça va rentrer pas dans la versée, mon frère. Mais là, j'avais fait pour lui. Là, on va la tuer. Donc, la moto. On va la suivre moto. Tu peux pas la moto. Avant de venir, que tant et les gars qui vont gérer la vie. Seulement pour suivre le match. Et là, la salle n'a pas été dans la versée. Et là, j'attends pas la vie de verser. Même le seul. J'ai donné le prêt. La jeune, ça ressort là. Comment dire qu'il y a une autre de verser les coulisses en tête? Il veut dire de verser à pas du courant. Non, 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 personne ne peut. Parce que pourquoi? Ni. L'animal est en train d'étudier. Je veux dire l'étudier de Mathieu. Et ça, le matin. Ça a fait rien, mon gars. Toutes ces bonnes matchs, ça a fait. Pour le football, là, déjà. Honte à toi. Son hypothèse. Honte à toi. Son hypothèse. Si tu ne sais pas aimer le Seigneur plus que toute chose, on va contacter. Tu n'entreras pas dans le royaume. J'ai dit, Zambaroui, le Seigneur, dit si quelqu'un aime sa vie plus qu'il son qui vont dire, il faut moyen pour les gens. Il n'entrera pas. A quitter pour un côté la bonne chose. Aimer ta vie plus que lui. On dit d'abord moyen pour les gens. Il y a beaucoup de choses avec ça. Aujourd'hui, il n'a pas les paroles. Tu t'aimes plus que la parole de Dieu. Oh, comment on a battu? Tu vas voir des gens. Aza pressé. Il est pressé. Autant dans la zone de Kawana. Parce que lorsque j'ai dans la zone de transport. Vous prendre le transport. La vie va s'en va être descendu dans la match. On a entendu dire qu'on descend le match aujourd'hui. Mais ça, la matinée, il y a un calendrier. D'autres maîtrisent très bien le calendrier. Et vous en avez un c'est ça, terreur. Maintenant, dans ma famille, l'église. Maintenant, lorsqu'il est à l'église. Aza n'a écouté. Il est là, il écoute la salle du Seigneur. Honte à toi. Les assauts. Vraiment au son du paysage. Tu ne sais pas t'abstenir de certaines choses. Aux Allemands et les Cambois, tu aimes Dieu plus que. Aux Allemands tu t'aimes toi-même plus que le Seigneur Jésus. Aux Allemands, tu vas manquer le royaume de cette façon. Il faut veiller la vie là. Mais ce que nous savons, généralement, c'est très important. Les amis n'ont plus à connaître. On prend la roue en garde. Prends en garde. Sali ma sakana la nabote. On ne blague pas avec le salut. Sali ma sakana la nabote. On ne blague pas avec le salut. Batouana, c'est genre. La plupart n'ont pas besoin des homosexuels. Mais il y a des sakana nibali na nibali. Les gens qui ont besoin d'adoration dans ma temple et ma idole. Les gens qui adorent des idoles. Mais nous aurons les gens. Mais toi, tu les acclames. Pour champion, on a vu combien de captations ça va dire. Pour manquer, tu sais combien de captations ça va. Tu penses que c'est en bas? Non, ils ont des systèmes. Non, ce sont des exercices. Ils ont des systèmes. On t'a dit, c'est là. Il y a la loi. Le diable avait dit. Avant qu'on ait la gloire, je suis comme ça. Avant d'obtenir la gloire, du monde, tu dois te prosterner devant moi. Il y a pas une seule chose. Et tu sais qu'il avait dit. Il dit, mais on se réveille. Tout ce que tu as là. Le monde et la gloire m'appartiennent. Je donne si vous vous prosternez devant moi. La Bible, les hommes, Jésus, les princes de ce monde. Donc, comment est-ce qu'il y a un qui veut ça? C'est ce qu'il y a un qui veut ça. Jésus, Jean 5, verset 19 dit.
le monde est sous la puissance du mal. Donc les amis assez engouillés à Satan. Pour faire très attention. Seigneur, que par la grâce. Donc il faut envoyer d'abord que. Donc tu vas comprendre bien. Pergame d'abord le nom veut dire mariage. Pergame comme le livre le Bible a tout ça. Mais Esa n'a pas faux mariage. Les amis n'ont pas la mariée. Smyrne n'a pas eu une telle sorte d'amertume. Smyrne, je vous avais dit, était un sapololo. Racine, il y a comme voilà aussi une sorte d'amir. Et bien, il y a comme voilà un peu de secteur, il y a un mouvement. Oh, il y a un mouvement qui a un mouvement de cadavre. Il y a un mouvement de cadavre. On est telle sorte de Smyrne. Et c'est ce qui représente l'église de Smyrne. Les autres, on voit qu'il est toujours dans la même Pergame. Aujourd'hui, on avait dit qu'on va commencer avec l'église de Pergame. Donc, Pergame, d'abord, était telle sorte de mariage. Et Pergame nous parle du mariage. Les besoins qui texte, il y a 1 Jean 2. Alors on avait pris le texte de 1 Jean chapitre 2. Jean, Zolobabo. Jean dit ceci. Tous ensemble, nous sommes ensemble avec les gens. Tout mon ami qui est tous ma chrétien. Et nous nous considérons comme des frères chrétiens. Tous ensemble, c'est vraiment pour la parole du Christ. Et nous suivons un seul chemin qui est la parole. Mais, bah, sous, bah, mini, bah, mais les autres se sont retirés et nous ont abandonnés. Jean était à côté de division de l'église. Jean n'a pas prêché comme la division de l'église. Ah. J'en dis qu'ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas nos frères. S'ils étaient nos frères, ils seraient demeurés avec nous. C'est ce que Jean est en train de dire. C'est ce que Jean est en train de montrer. Maintenant ici, le Seigneur a donc se présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë, c'est la parole. Mon père a son ennemi au Manzambé. Nous toujours en appel Hébreux 4. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 4. On est à partir du verset 12. À partir du verset 12. Tout est amené devant la parole. Nous sommes amis pour l'ennemi. La parole est encore une épée à deux tranchants, double tranchants. Nous avons mon père est à terrible. Et à témoigner le ennemi à vous et le vocabola. Âme et esprit. Donc, elle sépare l'âme et l'esprit. Donc, la parole juge. Et sans visage. La parole délivre. La parole condamne l'acte. Là, c'est Dieu qui se présente ici. Voilà, ça fait des comités qui au verset 13. Il y a Apocalypse 2, toujours dans l'église église en plein temps. Apocalypse chapitre 2. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. D'autres doctrines ne comprennent pas l'engage. D'autres enseignements, les gens n'ont pas compris ces langages. N'azotale ça d'abord. Je montre d'abord bien aimé. Babylone. Dans Babylone. La Babylone. Dans Babylone. Le roi qui était là, mon conducteur Azarakiwa, Azaraki comme dragon. Il était le dragon de l'incarnation du dragon. Adorateur et Baïdon. Mon sang béni habiteko. Bazobi aussi serpent. Donc on l'appelait aussi le serpent. Mais dans la même nation. Mais dans cette même nation Babylone. Daniel était. Il y avait aussi Daniel. Les trois compagnons de Daniel étaient. Et là. Là, Daniel et Mazarak. Nous pourrions dire, le Seigneur n'a pas cet exemple. Je prends cet exemple. Daniel a fendu là où il y a le trône de Satan. Daniel a fendu ici quand il est venu à Satan. Et le Seigneur que le trône de Satan est fendu dans la carte de Daniel. C'est là qu'il ne peut pas dire que le trône de Satan est dans la carte. C'est ça, Babylone. C'était Babylone. Les gens ont l'adoration des idoles. Il y a l'adoration des idoles. Mais Daniel a gardé la vérité à la parole. Mais Daniel est là en gardant la vérité de la parole. Vous en avez un? Je suis attentivement. Ah. Alors, ce qu'on vit aussi à l'heure. Alors, en prenant aussi cette écriture. De la même manière. Dans le même niveau. Il y a le trône de Satan. Les animaux ont été à Satan. Mais, Major Mani, mais qu'est-ce qu'on dit? Il retient mon nom. Parce qu'ils n'ont pas tenu comme on a. Donc, moi, je tiens trône à Satan, l'église, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas moyen de considérer l'église de Pergam comme le trône. Parce que l'église à Pergam retient le nom de Dieu. Parce que l'église de Pergam garde le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole. Vous pouvez entendre de l'Illumination. C'est comme Daniel. Le cours à Daniel. À Babylone. À Babylone. 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 C'est qui demeure à Satan. Satana,
Anania Azaria Michael, Asi, Anania Azaria, Ezekiel, Babylon, Asalaki, Babylon, Ezekiel, Asalaki, Babylon, et aussi à Babylon. Là où Satan a sa demeure, ou Abisat, Azali, Nandap. Mais ces gens-là gardaient le nom de l'Éternel. Asi, Batonon, Asalé, Batte, la Congoye. On a rejeté le nom de l'Éternel. Ils n'avaient pas rejeté le nom de l'Éternel. C'est ça aussi. Il y a mon épée. Ah, Nakatia, Pergam. Il faut que aussi histoire parce que Zali, Bamboka où exista, et Zalaka, tu vas savoir aussi. Mais Zali, parce que ce sont des villes qui ont existé même jusqu'aujourd'hui. Il faut que tu vas savoir. Temple à Zeus. Le temple de Zeus. Zeus, Zambé, Yaba, Hélénique, donc Yaba, Grec. Le Dieu, la divinité des Grecs. Il avait son grand temple dans la ville de Perga. Mais il avait un succès ma casse. Et ce temple-là avait une grande renommée. Même adoration à Zeus. Et même l'adoration de ces dieux-là. Rome pas voir Cambo. Et l'Empire romain aussi. M'a changé pas la combo et à Dieu. Il avait changé seulement le nom de ces dieux. Non, il y a faux dieux. Le nom de ces faux dieux. Alors Perga. Et Perga. Mais il avait un centre moco. Et c'était vraiment un centre de Satan. Et lui, on va dire que l'église, Satan, Zan, Kassé. Là, il veut pas dire que Satan est dans l'église. Et il va tout battre. Comme les gens ont prêché. Et Perdam veut dire. Et Perdam veut dire. Trône à Satan. Vous aimez à Satan dans l'église. Ce n'était pas l'église des saints. Vous êtes à l'église à la centre. Mais Zan, Kassé, Oyo, Tap, et Zan, qui est très dur. Mais c'était dans les temps très difficiles. Bah, oh, et Zan, mais bah, vous gardez toujours la parole. Les enfants de Dieu garderont toujours la parole. Il y a un bon monde. C'est pourquoi tu vas mourir. Ma zone, on dit ceci. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Qui retient mon nom? Et tu n'as pas renié ma foi. Celui qui retient la foi, il n'est pas trône de Satan. Satan est une ville. Le trône de Satan, c'est la ville de Pergam. Et il était. Mais ce n'est pas l'église. Parce que lui, il garde la foi. Il a son bâti à ton dîme. Il faut t'entendre le dire bien. Tu vas bien faire la lecture. Et tu n'as pas renié ma foi. Mais même au jour d'Antipas. Antipas passe avec une adoration. Mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Qui ont-ils Antipas? Ce sont les chefs de ces siècles. Ils arrivent à compter quelques mots. Mais Antipas, mon corps n'a pas mot, il grisole. De cette église. Et rejeta la parole. Il n'avait pas rejeté la parole. Garda la parole. Antipas avait gardé la parole de Dieu. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là vous allez voir, non. Des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam est la doctrine à ma faux mariage. La doctrine de Balaam est la doctrine à qui s'y a ma paix. On en avait déjà parlé. Balaam, comment est-ce que Balaam, le roi Balaam avait poussé le roi Balaam fils d'Israël d'envoyer des filles pour se prostituer avec les enfants d'Israël. Et union illicite. Les enfants qui vont nous s'en et que le Seigneur approuve. Donc on a vu aussi comme on a mot mariage. Et comme cette ville signifie mariage, il y a des préparatifs à faux mariage à mon collègue. Sache qu'il y a des préparatifs de faux mariage ici. Mais on aura toujours un bâton pour garder la parole. Et il y aura toujours ceux-là qui vont garder la parole. Ce sont ceux-là qui représentent ou parlent la vraie. Parce que dans Smyrne, parce qu'il y a dans l'église de Smyrne, après ce témoignage, on a rendu un témoignage. Et l'église à Smyrne, c'est là qui a les canards. Tribulation de 10 jours. Et l'église devait passer dans la tribulation de 10 jours. Tribulation de 10 jours. Ma part, c'est un colosso. Et ça, les livres vraiment avec l'empereur romain Dioclétien. C'est vraiment accompli avec l'empereur romain qui est Dioclétien. A persécuta Smyrne. Il avait persécuté l'église de Smyrne. 10 ans.
300 et 312. Là, et cela, c'est tout dans beaucoup de livres qui rapportent cette histoire sans raison. C'est comme un témoignage. C'est comme un témoignage. Et le Seigneur a dit, comme le Seigneur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et quand il y a la carte, il n'y a pas de temple, il nous a renversé. C'est ça la prophétie que nous avons. Maintenant, on doit voir l'accomplissement. Parce que pour voir la bonne histoire, on est allé voir l'histoire. La père Titus, comment Titus a envoyé Israël, est venu envoyer Israël. Après ce temps, il a renversé. Amen. Écrit-il, Jésus l'a rebâti. C'est Jésus qui avait prophétisé d'abord. Que Dieu bénisse. Amen. C'est Christ qui a parlé. Christ qui a parlé. Mais on a vu ça. Comment est-ce que cela s'est accompli dans le temps? En l'an 70. En l'an 70. Et l'autre on l'a gâté. Ce que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, histoire au commissaire absolu ont rejeté la Bible. Les fers de l'histoire absolue en rejetant les saintes écritures. Les écritures saintes ont rejeté la parole. On ne rejette pas les saintes écritures. Il faut autant d'abord l'écriture. Tu dois d'abord regarder l'écriture. Amen à l'écriture. Tu acceptes. Après, au temps du parcours, le lien n'a raison pour qui ça. Après, tu observes le parcours de l'accomplissement de l'écriture. Parce que Daniel aussi a parlé des nations. Oui, puis Daniel est père de la victoire. À l'obéir la succession, il y a un roi. Il y a Médopère. À l'opéra qu'on a gagné ça, Babocon dit à Médopère. Dans Daniel 11, à l'opéra, il y a un roi grec. Dans Daniel 11, il a parlé des rois. Réveillez Bakoya, Manantes, Mimédon, Réveillez Gozala. Alors, faut la bonne histoire du royaume grec est aboli. Alors, tu dois observer l'histoire du royaume grec. Mais Daniel en a déjà parlé avant ma campagne. Si Daniel a l'opéra, après, nous le voyons comment est-ce qu'il s'accomplit. Daniel a prophétisé déjà. Daniel ici a dit ça. Alors, à qui il avait dit ceci. Que était Babylone. Babylone. Nous avons pris ça Babylone, les armes Médopèse. Donc, le royaume qui va renverser Babylone, c'est un Médopèse. Sa prophétie. Esaïe aussi a levé l'arme. Esaïe aussi en avait parlé. Un siècle déjà bien avant. Bien de siècle avant. Dans Esaïe 21. Dans Esaïe 21. À ça, la mention à moi aussi. Esaïe aussi en a fait. Mais on a Babylone, on a eu un pouvoir. Ce temps-là, Babylone ne dominait même pas la terre. Les entailles à Assyrie. C'était le temps de la dominion. Parce que Assyrie a enfant Babylone. Parce que l'Assyrie a précédé Babylone. Mais il y a tout le monde a déjà le royaume où il y a après Assyrie. Mais lui voit déjà le royaume qui viendra après Assyrie. À tout le monde après chute. Il voit aussi la chute de l'Assyrie. Il y a un zone. Écoute ce qu'il dit. Na Esaïe 21, tout l'exemple. Dans Esaïe 21, l'exemple. N'a vu à partir du verset 6 par 7. Le verset 6, c'est. J'ai le nom de Jésus-Christ. La terre est en train de se faire. Verset 2. Une vision terriblement été révélée. Et moi, il s'est dit, moi, il y a sombre état de sa maladie. L'oppressé opprime. Mon nom, quoi, il y a sa maladie. Verset 2, verset 21. Les dévastateurs dévastent. Mon bébé, c'est à sa vie qu'on bénisse. Monte et l'âme. Mata et l'âme. Et l'âme est sa capitale amie. Et là, c'est la capitale de quel royaume? Il y a Perse. Le royaume de Perse. Assiège, je dit. Mais il va consigner dans la roue, mais il dit. Mais il dit, c'est ça le même. Je fais cesser tous les soupirs. Là, il a si ici ma place, Dieu. Maintenant, Esaïe a prophétisé. Mais Esaïe prophétise. Alors, Elam. Il voit Elam. N'a même avec le même. Bazo monté. Pour assiéger. Avant-t-il à l'époque de Tani. Il montre que ce sera dans quel temps. Dans le verset 5. Le verset 5. On dresse la table. Bazo-t-il à ça. La garde veille. La garde veille. On sait que j'ai dit à Zosége. On mange. Bazo-mé. On boit. Bazo-mé. Donc Esaïe a montré qu'il fait ton détachat à ça avec une main extensive. Et Esaïe a vu la fête qui avait organisé le détachat. Donc pas sur le baronné qui va dire. Alors, il y aura ces deux nations. Mais vous allez avoir l'occasion, il fait. Mais ce sera pas l'occasion. C'est ce qu'il dit. Amen. Alors, lui, debout, prince. Montez dans la tour. Voyez les boucliers. Paix-vous en boulet. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Mettez-vous le même à l'école. Va place la sentinelle. Et qu'il y a un tiers au Seigneur. Paix-vous en boulet. Elle vit de la
Nous allons promettre
seconde mort est comme un autre. J'ai des problèmes que tu ne seras pas emporté par la seconde mort. Pour seconde mort, les amis, pour qu'il y ait là dans les filles. Parce que la seconde mort, c'est la mort éternelle. Mais il y a où avec la mort dans la chair, qui couvre. Tu pourrais mourir aussi. Ok, les amis, les chemins, les amis, les amis, les amis, c'est le chemin aussi du repos que le Seigneur donne à quelqu'un. Et ce que vous dites, la vérité, nous vous battez. Alors, si tu vis la vérité, tu es comme ça. Et ce que vous dites, nous vous battez. Mais si tu es un pécheur, tu vas commencer à tomber. On va vous faire un peu, parce que vous allez nous ressembler. Parce que ce sera terrible. Si tu es là, nous t'en avons un bon moment. Attendez-moi d'avoir le temps de me répentir. Donc, ça va toujours prêt. C'est pas ce qui arrivera là. Mais après Dioclétien, parce qu'il a si ma coupe Dioclétien, les gens n'ont pas le droit de tout prendre. Les gens qui n'ont coupe mon quoi, au moins les gens constants. Et qui s'appelait Constantin, il est envoyé. Et lorsqu'il est venu au trône, a promulgué liberté à Kosame. Lui m'a promis la liberté de religion. C'est ce qu'il a ça. Et c'est ce qu'il avait fait. A Fongoli m'a d'abord Kosame. Il a ouvert les religions. Un attaque, c'est d'abord un problème à un mariage, Israël. Mais il avait, il se passe un mariage. Donc, bien que vous êtes chrétien, vous qui êtes des chrétiens, bon, il m'a tout harmonisé maintenant. Acceptez qu'on puisse harmoniser n'a païen. Avec les païens. Afin que nous soyons ensemble. Afin que nous soyons unis ensemble. C'est ça, vous avez dans la concile de Nicée. Il y a beaucoup de l'Israël et beaucoup de Nicée. Ma joie qui, ma fête à ma païen, ma joie, ma grande soutien à ma païen, ils avaient pris les choses de la vie. Les fêtes des idoles, ma limba sanissi à mon âme à ma posambe. Ils les ont fait entrer dans les choses de Dieu. Mais ma oie, ma zali, averti. Si ma oie, ma zali, qui a ma carama, ma position à la terre. Ils n'étaient pas attachés à cette position. Ma carama, position à vérité. Ils avaient gardé la position de la vérité. Pas rejeté la parole. Ils n'avaient pas rejeté la parole. Oh, ils ont gardé la ressource. Ceux qui prennent notre chemin. Ils ne sont pas des nôtres. C'est ce que Jean dit. Donc, oh, ils ont bandit ma qui osangisa ma kamoya mo pagan. Ceux qui avaient accepté de mélanger les choses païennes. Na ma kamo ensemble. Aux choses de Dieu. A commission où est le homo. Pour le faire. Je suis l'exemple. Vous prenez par exemple. Fête il y a le 25 décembre. La fête du 25 décembre. Et ça qui fête il y a Dieu soleil. C'était la fête à l'honneur du Dieu soleil. Mais c'est vrai que ça, harmonie, pas qu'on s'en comme ensemble. Mais il fallait qu'on puisse l'introduire à l'église. Bon, maintenant, comme la fête, il y a fils de Dieu. Qu'on puisse l'accepter comme la fête de Jésus-Christ. Ma commission pour fête à Jésus-Christ. Comme on l'a fait une fête de Jésus-Christ. C'était dans la manière de marier. C'était dans la manière de marier les choses de Dieu, choses païennes. Et pas plutôt pour païennes. Dans des choses païennes. Là, on est à Bossambé. Dans l'adoration, dans la fête. Mais l'église, au moment où on a été le 25 décembre, ils ont fêté Noël, naissance de Jésus. Mais tu ne verras pas la vraie église à la fête de Noël. C'est la fausse église. Les amis, l'église à le Bouddha. Parce que Jésus a ça, on a mené 33. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Tous les 27 ans, Marie a fait l'anniversaire de Marie. Nous n'avons aucune écriture où Marie a fait l'anniversaire de son fils. Donc, tu as cette 33 ans de vie. Et puis, dis le combat de la Genèse. Et puis, dis Apocalypse. Les Genèse en Apocalypse. Juif, attends, mon mot, ça va fêter l'anniversaire. Aucun juif n'a fêté une fête d'anniversaire. Je veux dire, dans ce qui s'en sort, ma mort, ma sœur, la fête d'anniversaire, ma femme, ma patate. Ceux qui ont organisé la fête d'anniversaire sont des païens. Ils ont un pharaon, c'est pharaon d'Égypte. N'a érodé. Et érodé. Il y a toutes les Bibles que nous avons. Et c'est ça la Bible que nous avons. Au moment où on t'a tiré, on m'a tiré ma bouche. Vous allez voir des bijoux sur les bijoux. Mon colo. Mon colo. Et la dupe. Maintenant, il y a une petite pub, le bonheur où tu vois. Maintenant, il ne sait même pas l'origine de ces choses. Considère la paix, origine y a du tambour. Il faut consulter aussi l'origine des choses. Gardons où on a les salles, ma gamane. Les gardons qui aiment les choses. Il y a un peu. Donc c'est toi ta vie. Gâteau, hein. C'est gâteau la vie. Au gâteau l'anniversaire. Au gâteau l'anniversaire. Et il y a un peu mal. Donc signifie toi-même ta vie. Maintenant, on commence vraiment à venir. Tu prends une esthétique. Je me coupe d'abord en morceaux. Viens là, mange-moi. Viens là.
Oh.